c'était le musicien génial du XXe siècle. Le musicien. Et quoi qu'il fasse, c'était absolument unique. Très souvent, on lui posait une question, est-ce que vous, monsieur, vous êtes heureux? Il dit, extrêmement heureux, tellement heureux que je ne crois pas pourquoi je suis, pourquoi bon Dieu me donnait une telle chance d'être heureux. Il adorait ma mère. Ma mère, c'était toute sa vie. Ça, il faut qu'on commence par là. Avec nous, il était bien sûr très heureux parce que c'est le bonheur d'être avec ses enfants. Mais sur scène, c'est autre chose. C'est une vie à part. Boris disait que l'arrivée de Slava, à peine aperçue, lui apportait un calme. Il avait l'impression que c'est la vieille, la grande Russie qui le soutenait. Il vous embrassait trop, il vous accueillait toujours trop. Non, il savait faire tout de même les différences. Mais c'est vrai, c'était un tempérament tellement chaleureux, humain. Je le regarde, je vois sa stature. Et tout de suite, je me dis, voilà un moujik qui rêve d'être tsar. Et tsar, il l'est devenu. Il disait qu'il avait un jour un peu bousculé sa mère en lui disant, « Maman, pourquoi tu m'as fait un visage comme ça ?» Et c'est très douloureux d'entendre une chose comme ça. C'est vrai que c'était pas Alain Delon jeune, je prends toujours ma référence, ou Paul Newman. Et elle lui a dit, « C'est parce que j'ai tout mis dans tes mains, regarde tes mains. » Ça, c'est la salle à manger. Et cette dache, il faut dire que mon père adorait cette maison parce que c'était toujours en train de se construire. C'était toujours construit. Donc voilà, ça, c'est la grande pièce. Et papa l'a construit, en fait, parce qu'il voulait faire des concerts ici. Mais voilà, ça, c'était sa, si vous voulez, sa pièce préférée. Ma mère, à l'époque, elle n'a pas beaucoup aimé de venir ici parce que c'était toujours, toujours en permanence. Les choses qui se... en construction. Mon père avait toujours des idées extraordinaires, par exemple, pour faire une piscine sur le toit du troisième étage. Dieu merci qu'on n'a jamais vu de l'eau parce que le plafond ne supporterait pas. Bon, donc ça, c'est la sauna que mon père a construit, il a adoré. Il a pensé qu'il va toujours prendre le sauna, pas une fois, ça marchait. Mon père est très croyant. Il en a construit ça. Et ça, c'est le dessin de Galina. C'est elle qui a fait le dessin sur le papier. Voilà, donc venez, je vais vous montrer. Mon père est venu souvent ici. D'ailleurs, il est toujours là. Voilà, ça, c'est le Molitoslav de mon père qui a toujours été avec lui. Il a voyagé avec lui. Et donc mon père, tous les jours de sa vie, il a prié avec ça. Et donc maintenant que papa est parti, ça reste ici, donc papa est là.